Salut chers youtubeurs, alors aujourd'hui je vous fais un live commentary sur Terminal, sur Modern Warfare 2. Alors tout d'abord un petit défi que je m'imposerai, c'est faire une bonne partie avec au moins un de ratio à la MP5K, bling bling, balles chemisées, silencieux, force de position pro avec bling bling pro bien sûr, commando pro, Semtex, grenade flash, USP45 bling bling, Aquimbo silencieux. Alors, je tiens à préciser que j'ai quoi. Attendez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Que mon MP5K étant. Ouais, le petit double frag à la Semtex, ça commence très fort. Alors, je tiens à préciser que je l'ai juste en urbain la couleur. J'ai pas de plus belle couleur. Et hop, et un troisième. J'ai pas de coup. Et un quatrième. J'ai pas de plus belle couleur pour l'instant. Pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour leur faire mal? Ils sont où déjà? Alors, on va aller. C'est des spawn kills. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, la chance! Moi, je vais crever. Oh non! Alors là. Je suis vraiment deg. Talentueux le mec. Alors là, rien à dire. Donc voilà, avec ce petit défi que je vous présente, je voulais vous faire Ok, bon, ça c'est mort. Je voulais vous faire un truc spécial sur cette vidéo. C'était pour vous faire part de mon projet d'abonné. Ouh la chance. Voilà, vous faire part de mon projet d'abonné. Alors là on fait du 8-0-1, c'est plutôt pas mal. On les a là nos... Ouais, si j'arrive même pas à viser. Donc voilà. Je vais peut-être réussir à le tirer à force. Mon projet d'abonné. Qui sait? Alors voilà, mon projet, c'est tout simplement de... Et voilà, headshot, ça c'est fait. Alors voilà, peut-être qu'ils vont m'essayer de dire mon projet. Alors mon projet, c'est très simple. C'était vous faire une vidéo sur en live commentary. Pour vous présenter ma chaîne, qui est pas super connue. Enfin, à part pour faire des petits tutos. Des trucs basiques en gros. Bon, et là je meurs comme une merde. Ça nique tout. 11-1-2. Bon. La nuque, c'est pas pour cette partie là. Ouais, quand même, elle fait quand même mal cette arme là. Je me rappelle que quand MW3 est sorti, hein, cette arme là c'était de la merde. Oh la triple. Oh là là. Oh mes amis, je suis heureux là. Oh là là. Rien me fait plus plaisir que ça là. Nous n'avons rien vu. Donc voilà, je tenais à vous faire cette vidéo pour vous dire plusieurs choses. Donc pour ma chaîne, vous la présentez d'abord. Ok. J'aurais dû faire gaffe. Et aussi pour vous prévenir que sur certaines vidéos que j'ai fait sur Dayspace, vous pourrez peut-être croire que je suis un mec qui gueule tout le temps, toujours en train d'insulter les autres, voilà. Enfin ça c'est pour ceux qui ont vu mes vidéos de Dayspace, hein. Je tiens à préciser, hein. Parce que sur Dayspace j'ai fait des vidéos. Et hop. Sur Dayspace 2 j'ai fait des vidéos. Et mon épisode 2 est un peu, je vais dire, choquant. Je l'ai réécouté 2-3 fois et c'est vrai que je gueule souvent. En même temps j'étais dans le noir, hein. Excusez-moi si j'ai mis un petit peu bouché, je suis malade. Attendez, non. J'ai pas fait le cap de fin. Non. Sans deck. Ah bah non. Je l'ai pas fait. Donc, cette partie a été extrêmement rapide. Donc, je vais être généreux. Je vais vous en mettre une deuxième. Et oui, on a quand même bien réussi parce que j'ai 4 de ratio. 4. On avait dit 1 de ratio minimum. Parce que cette arme-là, elle est pourrie, la MP5A. Enfin, quand Modern Warfare 3 est sorti,
quand Modern Warfare 3 est sorti, donc je précise, hein, excusez-moi si je me répète, quand il est sorti, la MP5K, vous jouez, vous... Qu'est-ce que j'allais dire, excusez-moi. Si vous jouez avec, vous étiez une grosse merde, enfin pas une grosse merde, mais vous étiez un gros noob qui savait pas quoi faire. Et perso, je vais vous dire, ça fait quand même mal. Alors, voilà. Quand même, je me débrouille pas mal avec, hein. Par contre, il y a un truc que je vais peut-être faire avec le SPK-45, c'est retirer la Quimbo et mettre balle chemisée pour faire plus de dégâts. Alors, j'ai pas mon ACR quelque part pour le mettre avec une plus belle couleur. Et ben si, voilà. Donc, mes classes, vous voyez, hein. Vous voyez donc tout ça. Hein. Vous voyez donc cette classe-là en snipe 1, c'est quand je fais des duels... Ah, excusez-moi. Excusez-moi la frangine qui fait chier. Bon, vous avez tous un frère ou une soeur insupportable, hein. Enfin, moi je dis ça, la mienne est insupportable. Elle est pas vivable. Bon, excusez-moi. Donc nous voici sur Wasteland avec ce défi. Donc par la même occasion, vous voyez, je suis prestige 10, hein, donc 70, hein, le max. Voilà, ça fait peut-être mieux. Et on est dans une partie cheatée. Dans une petite partie cheatée, c'est génial. C'est magnifique des parties cheatées comme ça. Je sais pas, est-ce que je la joue, est-ce que je la joue pas, parce que là-bas je vois un mec. On est en tête. Ils retirent les écritures, ça serait sympa, mais là ils a retiré, donc on est plus en tête. Voilà. Là je vois un mec. On est en tête. Et voilà, ça c'est fait. Donc aussi avec la présentation de ma chaîne, je voulais vous faire part d'un projet d'abonnés. C'est un projet que j'ai avec vous, enfin avec mes abonnés surtout. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir participer, hein, si j'ose dire. Oh là là. Vous avez vu ça? Faut que je recharge. Trop tard. Bon. 5-0-1. Excusez-moi, malade, hein, enrhumé. La magie de l'hiver. Donc pour en plus vous présenter ma chaîne, ce que je voulais vous faire, c'est que ce projet d'abonnés, c'est donc jouer avec mes abonnés. Ok. Ah, oh, excusez-moi, je... Bon. 5-0-2, c'est pas grave, hein. Surtout avec cette arme-là, je vais dire, c'est même du très bon. Ouais, j'aurais peut-être dû faire un petit peu plus attention. Là aussi, je voulais vous dire, c'est avec ce projet, j'ai eu cette idée grâce à un ami qui m'en avait parlé vite fait. Et je tenais à le faire sur MW2 parce qu'en ce moment, j'étais en train de revenir dessus. Et j'ai fait des choses. Et voilà, EW. Pour 2013, on va dire, j'ai plutôt bien commencé mon année. J'ai même très très bien commencé parce que à minuit et demi. Minuit et demi. Ah putain, Denis Boucher, excusez-moi. Le type pour ces insultes là. Donc cette histoire en fait, à minuit et demi j'ai joué et. Me demandez pas comment. Ok, génial. Je voulais ramasser son AK-47 avec lance-grenade, mais. Bon. À minuit et demi, bah j'ai fait une partie sur Scrapyard, ça faisait longtemps que j'avais pas joué d'ailleurs. Je suis tombé dessus et là. Magie avec cette arme là, j'ai lancé la nuque sans camper en MME. J'ai couru dans tous les sens, gauche, droite, partout. J'ai jamais campé sauf à la fin quand j'ai lancé mon Apache. Il me restait un kill à faire et j'avais mon derrière. Ok, eux ils ont tout compris. Donc j'étais en train de lancer mon Apache, il me restait un kill. J'avais plus de balles, j'ai dû ramasser une arme de merde. C'était un...
elle, enfin c'était, non, j'utilise pas de conneries. C'était une arme qui ressemble au... Ok, j'ai même pas été touché. Voilà, cette arme-là est de la merde. Donc j'avais un fusil d'assaut, pas fusil d'assaut, un fusil mitrailleur, le LG machin, quelque chose comme ça. Me demandez pas le nom, franchement, attendez, si vous pouvez me demander le nom. Le L86 LSW. J'avais récupéré ça sur un mort, un ennemi. Quand j'ai fait le kill avec, j'avais mon écran tout rouge, je peux vous dire que j'ai été heureux. J'ai attendu de mourir avant de la lancer parce que... C'est tout simplement de... De la merde ce que j'étais en train de faire. Donc j'en reviens, c'était beau, c'était magnifique, il n'y avait rien à dire. Et donc ce projet, j'en reviens, parce que sinon je vais jamais vous le dire. Je vais jamais vous le dire, sinon mon projet d'abonné. C'est tout simplement... Alors vous, même si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Et je m'arrangerai pour essayer de jouer avec vous. Alors sur PS3, par contre, je précise, hein. Vous me dites, ouais, je suis sur PS3, voilà, j'ai tel jeu. Et j'aimerais bien qu'on joue ensemble et tout. Et moi, je vous répondrai, pas de problème. Vous me dites, un jour, une heure, si je suis dispo, c'est tant mieux, on l'a fait la vidéo. Je filmerai, je la mettrai en ligne, hein. Et je mettrai la vidéo en ligne pour qu'on puisse voir. Alors ce sera du live. Je pourrais faire un 20-05, un 5-5. Je vais vous dire, je n'aurai rien à foutre. Strictement rien à foutre, je vous promets. Perso, moi c'est plus pour vous que pour moi que je vais faire ça. Tu m'as pas vu. Bon, ouais, hein. C'est à 21-11. Ça serait bien petit de ratio, mais on va essayer. Surtout que c'est la fin, hein. La partie donc aussi de cette vidéo. Et voilà, tac. Abonnez-vous à ma chaîne. Non, mais c'est pas possible de camper comme ça. Alors. Donc abonnez-vous à ma chaîne et je vous promets que en plus de vous abonner, merde, ah fuck, j'étais dessus, donc j'aurais très bien pu faire un meilleur ratio que ça, mais bon. Snipe thermique. Bon, heureusement encore il a pas utilisé la thermique. Enfin je pense. Parce qu'on n'a pas vu tout. Peut-être qu'il avait bien fait un gros hardscope pour voir qui ce qui était là et tout. Donc on va se quitter. Car là je vais vous parler bien de ce projet d'abonné. Vous vous abonnez si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne. Parlez-en à vos amis. Aimez cette vidéo. Dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse comme vidéo. Ensuite, je... Bah, comment dire ça? Tout simplement, bah, j'essaierai de jouer avec vous. Vous me dites, ouais, j'aimerais bien qu'on joue à Modern Warfare 3. Ok. Ok. Je joue avec vous à Modern Warfare 3. Quand vous êtes disponible et quand je suis disponible. Donc, je tiens à préciser, Modern Warfare 2, je n'ai aucun pack de cartes. J'ai les cartes d'origine, hein, vous pouvez regarder, configurer partie, changer carte. Je n'ai que les cartes d'origine. Carte bonus, j'en ai zéro. Faudrait peut-être que je me les achète, mais je sais pas trop encore. Je sais pas, elles m'ont l'air bien, mais voilà. Et on est en 2013, je sais. Modern Warfare 3, par contre, je suis prestige 11, niveau 21 ou 23. J'ai eu la flemme de jouer à un moment donné. Je suis revenu sur Modern Warfare 2. J'étais déjà prestige 10. Pour revenir avec mes amours. Et puis surtout revenir avec un petit problème que j'avais eu. Voilà, 0,91 de ratio. Vous moquez pas de moi s'il vous plaît. C'est juste parce qu'en fait quand j'ai commencé à jouer à Call of, c'est sur Modern Warfare 2. Et quand je commençais à jouer, je me prenais des 5-10 dans la gueule, on va dire.
enfin dans la tête, excusez-moi. Je vais essayer de pas être trop vulgaire. Donc aussi, si des fois vous avez, vous entendez des blancs durant mes vidéos, c'est soit parce que je suis concentré, soit que j'ai un problème. Mais en général, c'est que je suis concentré dans le jeu. Donc aussi, ce que je voulais vous dire, je sais j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ça revient à mon premier abonné, vous vous abonnez, vous aimez, vous en parlez à vos amis, ça je le répète. Mais on le répète jamais assez. Et une fois que vous avez vous êtes abonné, vous m'envoyez un message à moi sur mon adresse YouTube. Enfin ouais, pas un message, vous aurez compris. M'envoyez un message et moi je vous répondrai. Vous me dites voilà, tel jour. Alors aussi, alors après Modern Warfare 3, j'ai que le premier pack. Le pack où on a la map, alors excusez-moi, je ne sais plus le nom des maps. La map qui ressemble beaucoup à Eagle Eyes dans MW2. On est sur un bâtiment. Même qu'avec, il y a Piazza, Libération. Je crois que c'est Underpass le nom de la map. Je crois que c'est Underpass. Je suis pas. Attendez, j'ai une connerie moi, je crois. Underpass, c'est ici. Non, alors ça doit être Underpass. Ah bah non, c'est bien dans. Donc, non. C'est sur Modern Warfare 3, il y a une map qui est. Je sais plus son nom, donc excusez-moi. Sincèrement, désolé. Donc, je vais pas vous retenir plus longtemps. Parlez-en à vos amis qui s'abonnent s'ils veulent jouer. Et voilà. Alors, je tiens aussi à préciser que toute demande sur Call of Duty Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Black Ops, Black Ops 2 sera acceptée. Je dis bien, sera acceptée d'office. Par contre, Modern Warfare 2, enfin, vous m'avez vu, hein, j'ai pas de pack. Donc, si vous avez des packs, tant mieux pour vous. Hein, mais moi, je pourrais pas vous rejoindre. BO2, bah, pour l'instant, je n'ai pas prévu d'acheter le pack qui va sortir. Pour l'instant, j'ai bien dit. Vous me demandez un zombie sur Black Ops 2. Je le fais avec vous. Surtout que sur Ville en original, je tiens 26 manches en moyenne. Mon max c'est 31. Sur Black Ops, je suis même pas prestige 1, je suis niveau 25. Ou niveau 20, je sais même pas. En ligne, voyez-vous, Black Ops, je sais pas. J'ai juste fait mode campagne et après je suis retourné sur Modern Warfare 2. Ce que je préférais largement. Alors par contre, il y a un autre jeu. Vous pouvez aussi me demander, je verrai. C'est Battlefield 3. Je suis premium, j'ai toutes les maps. Sauf la dernière, The End, qui sort en mars, je crois. Voilà, donc vous l'aurez compris, on est en janvier. Voilà, à pas sortir tout de suite, hein, on va pas pouvoir la craquer. Hein. Donc je vous ferai des vidéos dessus, je jouerai avec vous. Vous n'avez qu'à me demander, et voilà. Donc aussi, je vais continuer mes... Ma petite saison, on va dire ça, de Dead Space 2, le jeu en entier. Je vais continuer de vous le faire. Il y a Dead Space, je vais vous faire une petite vidéo, une ou deux vidéos découvertes. Il y a un jeu auquel je voudrais aussi vous faire découvrir, que beaucoup connaissent, sûrement. C'est, alors pour vous le montrer, c'est dans mes jeux téléchargés, hein, que j'ai eu légalement, je tiens à préciser, pas avec un générateur de code PSN. Non, non, mais... Bon, c'est pas des trucs bizarres, ça. J'ai essayé comme tout le monde. Sauf que ça marche pas quoi. Les codes sont soit patchés ou alors tout le monde les a déjà utilisés. SingStar, j'ai supprimé pourtant. Ouais, j'ai supprimé. Alors Crysis, je vous ferai peut-être une vidéo dessus. Hein. Je sais pas si on dit Crysis ou Crysis. Je pense que c'est plus Crysis. Il est sympa dans l'ensemble. Alors vous avez Dead Space Extraction, ce que moi je l'ai eu avec mon Dead Space 2. Ce que j'ai eu en édition limitée. Assassin's Creed 2, je pense que non. Assassin's Creed, tout le monde connaît. Le 2 aussi. Dust 514. Alors, depuis tant que j'ai la démo, je sais pas si elle marche encore la démo. On pourra voir ça. Sniper Elite V2, j'ai la démo. J'ai Castle Crasher. Alors, écoutez bien la musique qui va venir avec. Ah non, faut que je quitte le jeu pour vous la faire écouter. Alors, Castle Crasher, si vous l'avez. Vous pouvez aussi me demander, est-ce que c'est un jeu où on peut jouer à plusieurs. C'est rigolo comme jeu, c'est des petits chevaliers. Enfin, je vous laisse aller voir sur internet. Enfin, moi, j'ai mis une vidéo dessus. Enfin, je vais voir si je vais en faire une d'ailleurs. Après, j'ai. Voilà, ça doit être comme musique. C'est joyeux.
palam, palam, palam. Ouais, bon, bref. J'ai les Jurassic Park, mais j'ai Call of Duty Elite. Alors, par contre, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce qu'il bug. J'ai fait la mise à jour, dès que je le lance, il bug. Il lâche. Bonk. Je. Bonk. Oh là là. Alors, excusez-moi. Je vais vous laisser. De toute façon, je dois éteindre. Donc, je vous dis à bientôt. Likez la vidéo, partagez-la, parlez-en à vos amis, abonnez-vous. Ça me fait un grand pla... ça me ferait super plaisir. Et moi, ça me rend service. Et ça m'aide beaucoup pour faire des vidéos de qualité. Et ça montre que j'ai pas investi dans un HDPVR. Enfin, eux, mes parents n'ont pas investi dans un HDPVR pour rien. Merci et à bientôt.